Gilad Shalit, invité d'honneur du président français Nicolas Sarkozy. L'ancien otage du Hamas a été reçu à l'Élysée ce mercredi après-midi, accompagné de ses parents Aviva et Noam. Une visite à Paris en guise de remerciement pour Gilad Shalit. Tout au long de sa captivité, la France avait été particulièrement active dans les négociations pour obtenir sa libération. Gilad Shalit, ancien soldat israélien, mais aussi citoyen français, avait été échangé en octobre dernier contre 1027 prisonniers palestiniens. Après sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, il a effectué une brève apparition sur le perron de l'Élysée, avant de rejoindre un véhicule officiel. Mercredi soir, Gilad Shalit n'a cependant pas assisté au grand dîner annuel du CRIF, une soirée donnée pourtant en son honneur. D'après ses proches, son état de santé encore fragile ne lui permettrait pas de se maintenir trop longtemps en public. Distribution de masques à gaz, liste des abris anti-aériens ou encore plan d'évacuation du personnel, les représentations diplomatiques étrangères en Israël auraient entamé d'importants préparatifs en prévision d'une guerre avec l'Iran. C'est ce que révèle le quotidien Yediot Aharonot, qui affirme que le ministère israélien des Affaires étrangères ainsi que la défense passive de Tsahal seraient impliqués dans ces préparatifs. Parmi les scénarios du pire envisagés par les chancelleries basées à Tel Aviv, des bombardements iraniens ou syriens qui entraîneraient l'exode de milliers d'expatriés ou de ressortissants possédant la double nationalité. En coulisses, un haut responsable diplomatique a cependant prévenu que l'Union européenne, par exemple, n'avait pas les moyens d'organiser un départ massif de ses ressortissants. Et si l'Amérique se préparait à une intervention militaire en Syrie ? À l'heure actuelle, une telle hypothèse est formellement écartée par l'administration de Barack Obama, car du côté de Washington, on dit privilégier des pressions diplomatiques et économiques. Sauf que d'après la chaîne d'information CNN, c'est un tout autre scénario qui se préparerait en coulisses. Dernièrement, le Pentagone aurait ordonné un inventaire des forces américaines déployées autour de la Syrie, signe tangible que l'idée de frappe contre le régime de Bachar el-Assad reste à l'esprit des responsables américains. Interrogé par CNN, un proche collaborateur du président Obama a néanmoins tenu à calmer le jeu. Aucune décision n'a été prise, dit-il, au sujet d'une intervention militaire contre la Syrie. Au Moyen-Orient, 2011 aura été une année bien délicate pour la Turquie. Une rupture avec la Syrie et l'Iran, un soutien plus ou moins forcé aux opérations de l'OTAN en Libye et des relations en dents de scie avec d'autres acteurs de la région comme l'Égypte. Et pourtant, la Turquie serait l'une des nations les plus populaires du monde arabe, à en croire la Fondation turque des études économiques et sociales. Selon un sondage effectué dans 16 pays arabes, la Turquie arrive en tête des pays les plus appréciés du Moyen-Orient, avec plus de 76% d'opinions favorables sur sa politique intérieure et étrangère. L'opinion arabe verrait même en la Turquie une puissance émergente, à même de s'imposer comme un leader régional. Facebook, réseau social pour la jeunesse palestinienne ou outil de propagande pour ses responsables? La question se pose car l'autorité palestinienne aurait récemment ordonné une surveillance accrue du célèbre site internet. Selon plusieurs témoignages recueillis dans la presse, le président Mahmoud Abbas craint une révolte contre son autorité à la manière de celles qui ont ponctué le printemps arabe. Conséquence, la critique des dirigeants palestiniens serait désormais interdite sur Facebook. Et à l'inverse, il est fortement recommandé d'utiliser le site web pour dénoncer Israël. Du côté de Ramallah, apprend-on, plusieurs journalistes palestiniens auraient déjà fait les frais de cette nouvelle politique de censure.